Bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, on espère déjà que vous nous entendez bien. Si vous pouvez taper oui, comme ça on saura que vous nous entendez bien. Parfait, 5 sur 5, nickel, magnifique. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série qu'on a annoncée au tout début de l'année. Ça va nous emmener sur pas mal d'émissions du samedi matin. C'est l'ABCDR Live Clean. De 11h à 11h30. Voilà, donc l'ABCDR, c'est vraiment reprendre lettre par lettre toutes les formes de pathologies qui peuvent exister, en sachant bien entendu que nous ne sommes pas là pour vous dire que ce que nous vous proposons ici peut vous guérir, peut vraiment soigner. Vous devez toujours vous référer à votre médecin dans le cas d'une maladie, dans le cas d'une pathologie. Surtout s'il y a un traitement lourd derrière. Hein. Notre but, c'est vraiment de vous montrer que des symptômes désagréables consécutifs à des pathologies qui commencent par une lettre, donc c'est pour ça qu'on va faire l'ABCDR, mais en fait, avec le mode de vie, tout ce qu'on a à dire autour du mode de vie et tout ce qu'il y a chez Moder en termes de gamme de produits du quotidien, il y a moyen en fait, d'aider le corps à lutter dans sa lutte contre ces pathologies. Mais il ne faut surtout pas déduire de ce qu'on va vous donner comme enseignement et comme information qu'on vous dit que ça va vous guérir et que vous pouvez directement remplacer une médication ou un traitement par les produits modernes. Ce n'est pas ça notre message. Hein. Le message, c'est vraiment vous montrer qu'avec les nutriments de base, une bonne complémentation, une hygiène de vie, des produits sains du quotidien, votre corps il va pouvoir lutter plus facilement. Et si vous parvenez à vous passer avec l'accord du médecin, si jamais vous êtes sous traitement médical d'une partie ou même carrément voilà, que votre corps réussit à prendre le dessus, c'est génial. Mais voyez, on veut vraiment faire cette intro pour clarifier que ce qu'on vous dise ne parte pas dans d'autres directions et que ce ne soit pas mal interprété. Voilà, donc on insiste vraiment beaucoup sur le fait que le corps est une machine absolument extraordinaire, qu'on se doit d'en prendre vraiment soin. Et ici, ce que nous allons aborder, évidemment, ce sont les premiers symptômes ou en tout cas, comment soulager au quotidien, comment améliorer la qualité de vie au quotidien si tel ou tel ou tel problème de santé survient. Alors, commençons aujourd'hui par la lettre A. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on vous dira aussi où vous pouvez trouver la bibliothèque des émissions Live Clean du samedi matin. Alors, apprêtez-vous à prendre note parce qu'il y a énormément d'informations. Tout en commençant par la lettre A, voilà par quoi nous allons débuter. Donc, la lettre A, bien sûr, il y a énormément de pathologies qui commencent par la lettre A. Donc, on a pris vraiment celles qui reviennent le plus souvent dans les questions des personnes. Les plus courantes. Voilà. Les allergies. Alors, les allergies, ça c'est vraiment un grand, grand domaine, évidemment. Vous constatez certainement que de plus en plus de personnes présentent des problèmes d'allergies, que ce soit des allergies internes ou déjà des allergies externes. Voilà, ici, voilà une situation d'une allergie extérieure, donc manifestée au niveau de la peau. Et bien entendu, vous voyez, les tests cutanés sont très fréquents maintenant. Donc, il y a ce type d'allergie qui existe. Qui sont extrêmement courantes, hein, bien sûr. De plus en plus. D'ailleurs, les dermatologues ne savent plus où donner la tête. Je pense qu'il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous maintenant chez un dermatologue. Et au passage aussi, on peut dire que beaucoup, beaucoup, malheureusement, de solutions, si on peut appeler ça des solutions, ce ne sont pas des solutions, passent par des crèmes à la cortisone pour simplement soulager l'inflammation. Mais ça ne résout rien du tout, évidemment. Ça ne résout rien. Et en plus, ça a des effets secondaires quand même tellement néfaste que mieux vaut s'en passer si cela est possible. En tout cas, la deuxième forme d'allergie, ce sont des allergies qui viennent de l'intérieur de l'organisme, du type respiratoire, du type intolérance aussi au niveau alimentaire, etc., mais particulièrement ici au niveau respiratoire, c'est ça sur lequel on va s'attarder. Alors, on va tout de suite vous dire ce qui peut aider dans ce domaine-là au niveau de la gamme Live Clean de chez Moder. Alors, la toute première chose à faire, bien évidemment, c'est de diminuer cette charge toxique que l'on s'impose au quotidien, sans le savoir, bien entendu, bien souvent, mais en tout cas, c'est d'opter directement pour cette collection salle de bain qui nous permet effectivement de ne plus avoir aucun contact avec des ingrédients tels que le SLS, le propylène glycol, le formaldéhyde, etc. Donc, changer cette gamme salle de bain, c'est du remplacement, ça convient à toute la famille et c'est vraiment une sécurité absolue d'opter pour cette gamme salle de bain. Et vraiment, l'idée ici, c'est de diminuer au maximum l'impact d'ingrédients potentiellement nocifs, toxiques,
qui passent par la peau, les pores de la peau, et aussi qui peuvent boucher les pores de la peau, des ingrédients pétrochimiques, hein, quelque part, de la paraffine, hein, paraffinum liquidum, par exemple. Donc, ce changement de produit de la salle de bain vise à ouvrir vos pores de la peau et ne pas faire passer des molécules dans le sang qui sont contenues dans les produits qu'on se met sur la peau, sachant que énormément d'ingrédients dans le commerce, dans les produits même très chers, sont potentiellement nocifs pour la santé. Donc, éviter tout contact par la peau, par les soins capillaires, par les soins dentaires. Et c'est pour cela que cette collection salle de bain, nous, on la prône vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'elle est absolument essentielle pour toute la famille. Alors, on parlera bien sûr du rhume. Alors, pour le rhume des foins, là, c'est clair que on va passer. On en parlera après à la complémentation alimentaire. Et pour Oui. la question sur le gel Oui, douche. le gel douche convient parfaitement aux parties intimes, qu'on soit petit ou que l'on soit grand. Mais justement, c'est cette absence de SLS, entre autres, sodium chlorhydre sulfate, qui fait que finalement, ces produits sont tellement, tellement plus sûrs que tout autre produit. Et c'est là que le bât blesse généralement, hein. Ce sont des produits sains, sûrs. Et donc ici, vous pouvez franchement les utiliser en toute Et tranquillité. sur les bébés aussi, bien sûr, Bien entendu. sachant que, on le dit, on le répète, c'est très important à comprendre, c'est une véritable philosophie de formulation de produits. Quand on parle des produits que vous mettez sur la peau chez Moder, si vous cherchez la petite bête et que vous les trouvez, si Moder n'utilise aucun ingrédient potentiellement nocif, la réponse est non, parce qu'ils sont tout le temps en train de formuler, de rechercher une meilleure manière de faire, mais c'est clairement la marque qui en évite le plus, puisqu'ils en évitent plus de 3 000. Il y a zéro marque sur le marché qui va aussi loin. 3184 exactement. Alors, voilà pour l'extérieur de la peau. Également, les soins de peau, tout ce qui est soins journaliers au niveau des crèmes de visage, au niveau des crèmes d'hydratation, au niveau du démaquillage, du nettoyant de peau, etc., etc. Vous connaissez certainement ou allez voir sur la boutique en ligne, mais cette gamme est absolument fantastique et très efficace et très agréable. Absolument. Pour Et alors, l'intérieur pour maintenant. l'intérieur, donc là, il y a vraiment, et vous allez voir que ça va revenir dans énormément de cas, pratiquement tous les cas, on va vous parler de la nutrition de base avec les sels minéraux, les probiotiques, donc pour la flore intestinale, le noni qui booste le système immunitaire par l'intérieur. Voilà, donc celui-là, on Donc ça, l'appelle c'est le le trio trio. gagnant. Vous ne pouvez absolument jamais vous tromper avec ce trio de base qui est destiné à toutes les personnes qui veulent améliorer leur santé, qui visent une santé optimale. Donc ce trio de base, effectivement, il convient à la population entière, si ce n'est qu'il y a deux ou trois petites exceptions peut-être. Et puis, si vous voulez aller plus loin encore, un pas de plus, c'est d'y ajouter évidemment. Pour tout ce qui est question d'allergie, etc., les adultes multivitamines, hein, bourrés de vitamine B, comme on va le voir par la suite, et en cadeau alors les oméga-3 qui vous sont offerts avec la collection. Voilà, donc à l'heure actuelle, il y a une collection trio, donc 10% de réduction. Et les 5 que vous voyez à l'écran, c'est une collection. Elle n'est pas encore revenue dans la boutique en ligne, mais elle va revenir d'ici quelques semaines. Donc vous aurez deux collections. Une qui s'appelle la collection nutritionnelle de base complète, vraiment les 5, ça c'est le top. Mais vous avez déjà accès au trio actuellement, et croyez-moi, le trio, il est fantastique déjà. Donc, si la peau est lésée, raison de plus pour utiliser vraiment le pack salle de bain qui devrait être présent dans toutes les familles du Voilà. monde entier. Alors pour les allergies, il y a aussi un produit excellent qui s'appelle Endurance à base de reishi et de Cordyceps, cordyceps. et Il tout y a à fait. aussi un peu de guanoderma, il y a du gingembre. Et en fait, il a beaucoup d'effets, hein, ce complément-là, l'Endurance, mais on sait qu'il a un effet antihistaminique Entre et autres. anti-inflammatoire aussi. Voilà. Le cordyceps, il est connu depuis la nuit des temps. Il vient en fait de la cour impériale de Chine, où sur les hauts plateaux tibétains, depuis des siècles et des siècles, les gens connaissent cet effet du cordyceps, qui est un champignon en fait, qui permet une ouverture des alvéoles pulmonaires, donc qui augmente, qui amplifie la capacité respiratoire chez les personnes. Donc une personne qui souffre d'allergies respiratoires va être aidée par une cure à raison de deux par jour, le matin, le soir, de cette petite gélule d'endurance. Et croyez-moi, ça fait beaucoup, beaucoup d'effet. Comme le dit Richard, ça a des propriétés antihistaminiques, donc très favorables pour ce genre de personnes. C'est surtout l'endurance pour les allergies en fait qui provoque de toute façon c'est une inflammation hein, Niveau les allergies respiratoire. donc tout ce qui est pollen par exemple allergie au pollen à Allergie au chat. poussière au chat ça va être super efficace pour toutes ces choses-là.
Deux par jour, pas le matin, le soir. Voilà, un matin, un soir. Hein, vous voyez les gélules hein, ici. Une gélule entière, oui. Donc, ça, c'était pour les allergies. On n'a pas le temps d'aller trop, trop en profondeur parce qu'il y a d'autres lettres beaucoup, à voir. Beaucoup de... Et l'asthme, on va en parler également. Alors, l'acné aussi. Donc, c'est en vrac hein, un peu. Hein. Alors, l'acné, évidemment, eh bien, la toute première chose à faire pour ce problème d'acné, que ce soit au niveau une acné juvénile, une acné rosacée ou une acné au niveau du corps, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'acné au niveau du bas, au niveau du haut du dos, pardon. Eh bien, la toute première chose à faire, évidemment, c'est de convertir sa salle de bain en une salle de bain saine et d'utiliser de nouveau pour le visage les produits adéquats, c'est-à-dire plutôt alors tendance vers les produits pour peau mixte, voire pour peau plus grasse. Alors, ça, c'est la première chose qu'il faut faire dans le cas d'acné. Donc, ça, de toute façon, c'est le premier réflexe, changer les produits de base de la salle de bain. Avec, évidemment, le cleanser qui vient en premier pour l'acné au niveau du visage, ainsi que l'exfoliant à raison d'une fois par semaine, et puis la délotion qui sera adaptée pour ce type de peau. Alors, bien sûr, quand on a un problème de peau, ça vient aussi de l'intérieur. Hein, l'acné, ça peut aussi se travailler depuis l'intérieur. Donc, de nouveau, vous allez retrouver ce qu'on vous a dit sur le trio et éventuellement même les deux autres. D'ailleurs, les oméga-3 pour les problèmes de peau, on sait que c'est très bénéfique. Ainsi que la DULE multivitamine, bien entendu, puisque c'est une façon de… Ça joue sur le système circulatoire profond et superficiel, et en l'occurrence superficiel. Donc, lotion pour le visage, il y a crème de jour, peau mixte, qui va être… C'est la délotion. Hein, la délotion, ça s'appelle. D'accord. Et puis, bien entendu, le superbe système ID ou ID, qui est composé de ces deux produits, infusion, le premier, qui va vraiment travailler en oxygénothérapie, donc qui va vraiment améliorer cette peau à problème, telle que l'acné, les rosacées, etc. Suivi alors du défense, qui est lui composé de 15 botaniques différentes, entre autres les probiotiques également. Donc, c'est vraiment une cure. Enfin, de toute façon, il y a énormément d'ingrédients, comme l'a dit Maryse, beaucoup de botaniques, mais les probiotiques sur la peau, dans la crème, ça c'est unique dans les cosmétiques d'avoir des probiotiques et c'est très important pour l'acné notamment. Voilà, avec ce petit pack, c'est un traitement de 1 mois complètement et puis on passe à la suivante qui est l'angine. Alors, angine. Problème d'angine. Ça, c'est vraiment des choses très courantes. Hein, une inflammation plus ou moins importante au niveau de la gorge. Alors, que faut-il faire dès les premiers symptômes? On insiste bien. Hein, dès les premiers symptômes, vous pouvez commencer à gargariser, soit avec un demi-capuchon de bain de bouche, bien gargarisé pendant 10, 15, 20 secondes, ou bien, et ou aussi, gargariser avec le noni, qui va vraiment avoir un effet local au niveau de la gorge. Donc ça, c'est la première chose à faire dès que la gorge gratte, dès qu'il y a quelque chose, petit symptôme qui se manifeste. Ok, alors pour les posologies, comment se servir du Moder ID? Allez voir dans la boutique en ligne, les informations sur comment on utilise le Moder ID y sont, et il y a même des vidéos qui expliquent très, très visuellement comment utiliser Moder ID. Vraiment c'est assez facile à trouver comme information. Alors, ce qui est très important aussi, c'est les protosimes, évidemment. Alors, les protosimes, qu'est-ce qu'on peut faire ici? En fait, vous ouvrez une gélule, donc je parle vraiment des premiers symptômes d'un problème de gorge douloureuse, et simplement, après avoir gargarisé avec le bain de bouche ou le noni, ouvrir la gélule et la lancer dans le fond de la gorge, ça va aussi travailler les bonnes bactéries de ce protosime, va vraiment travailler localement, c'est très efficace si vous combinez toutes ces choses que l'on vous conseille. Ce sont des trucs et astuces, en fait, pour aider le corps à vraiment commencer à lutter, à mettre les mécanismes de défense en route pour pouvoir lutter de lui-même contre ces petits maux. Voilà. Également échinacea. Alors là, échinacea, thym, romarin, hysope sont connus pour vraiment agir sur les inflammations au niveau des bronches et de toute la zone ORL. Voilà, dès les premiers symptômes, de nouveau, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, trop bien, prenez directement 1, 2, 3 échinacea sur la journée, et cela pendant 5 jours d'affilée, logiquement. C'est ce qu'on appelle en fait un antibiotique naturel, et il va effectivement booster les défenses naturelles de l'organisme, surtout au niveau respiratoire, de nouveau. Alors, à partir de quel âge l'échinacea? On peut en fait ouvrir la gélule et la camoufler très très fort dans un petit peu de nourriture. Pour les tout petits, franchement, une demi-gélule cachée dans la nourriture, ça marche très 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 bien. Voilà.
Alors, par l'intérieur, ben, le noni va forcément aider parce que le noni a des effets, entre autres, anti-inflammatoires aussi. Et c'est très important de travailler vraiment au niveau cellulaire, complètement par l'intérieur du corps pour booster ce système immunitaire. Voilà, l'incontournable Noni à bien conserver au frigo, un minimum de 30 millilitres par jour. Et je vous assure que votre immunité, elle va vraiment être bien, bien, bien boostée. D'avoir toujours sous la main et dans le frigo, en tout cas. Évidemment, pour ces problèmes de susceptibilité aux angines, à problèmes de bronches, le trio minimaliste, et voire les 5 produits dont on a parlé de base, c'est vraiment le fond, c'est le travail de fond, on appelle ça le terrain. Donc, ça va revenir tout le temps, donc, ce qu'on va vous dire. Alors, l'anxiété, Alors, un vaste l'anxiété, le problème, c'est problème du celui-là. siècle, toute personne qui est un tant soit peu inquiète, stressée, anxieuse, angoissée, déprimée, dépressive, etc., ce qu'on va vous partager aujourd'hui peut vraiment aider à améliorer leur qualité de vie au Absolument. Et quotidien. sans se bourrer de, anxiolytiques ou de choses comme ça. Oui, nos pays occidentaux sont vraiment très, très, très doués pour donner un maximum d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc, la base, la base, la base, toute personne aujourd'hui a besoin de ces 15 millilitres de minéraux oligo-éléments, soit le minéral solution, soit le minéral classique, peu importe, mais c'est la base de la base. C'est ainsi qu'un organisme fonctionnera d'une manière beaucoup, beaucoup plus Et puis on parfaite. sait qu'il y a des sels minéraux qui sont très importants pour le fonctionnement au niveau du système nerveux et pour C'est la base. c'est la base, hein. Et il y a le fameux durian. Alors, le durian, c'est le roi des fruits. Peut-être que vous le connaissez, c'est le fruit tout épineux que l'on voit ici. C'est un fruit, en fait, qui fait parler de lui parce que, il est interdit dans les endroits publics, ce fruit, tellement la coque sent vraiment le soufre. Mais quand vous ouvrez ce fruit, il est bourré, bourré de nutriments. Et dans ces nutriments, justement, on retrouve le tryptophane, qui est en fait un acide aminé et qui est le précurseur de la sérotonine, donc l'hormone du bien-être et de la sérénité. Mais quand faut-il le prendre, ce durian? Alors, le durian est à prendre de préférence aux alentours de l'heure du goûter, dans la fenêtre de temps entre 4h et 5h30, par là, parce que c'est le pic de production de sérotonine dans votre organisme. Et donc, si vous prenez du tryptophane, vous aurez beaucoup de sérotonine fabriquée par votre corps à partir du tryptophane. Et le soir, comme la sérotonine se transforme en mélatonine, vous dormirez mieux. Donc, ça va jouer sur deux plans, apaisement du stress grâce à la sérotonine. Et un meilleur sommeil récupérateur en même temps. Enfin, Sérotonine, c'est l'hormone du c'est bien-être, de la l'hormone du bien-être, la sérénité. sérotonine. Hein. C'est le corps qui la fabrique, cette hormone, mais il lui faut au corps du tryptophane. Et le tryptophane se trouve massivement dans ces fruits. Donc, c'est une purée de fruits, puisque le durian ici est combiné à la mangue, goyave, papaye, litchis et mangue. Voilà. Alors, on a aussi le fauti. Dans la gamme, qui Qu'est-ce que est le une fauti? plante, c'est la Polygonum oliflorum en fait. C'est une plante, en fait, c'est une recette de médecine chinoise qui est compilée. Il n'y a pas que le fauti. Et pour résumer, ça va travailler sur le yin et le yang, donc au niveau psychique, au niveau du stress. C'est un produit qui peut clairement vous aider. Exactement. Alors, L'anémie. anémie maintenant. Donc l'anémie, elle peut être due à une diminution de l'acide folique, qui est l'acide B9, à une diminution du fer ou bien à une diminution des vitamines B12. On a donc là ce qu'il faut pour gérer un petit peu cette situation, c'est-à-dire de nouveau commencer par la base minérale, que ce soit le minéral solution, le minéral classique. Toujours ces 15 millilitres par jour au quotidien pour un adulte, 1 millilitre par âge par enfant. Et à côté de ce minéral solution, que retrouve-t-on? Eh bien évidemment, l'adulte multivitamine qui lui est composé de 12, d'une synergie de 12 vitamines différentes dans lesquelles on retrouve quasiment tous les B, justement, tout ce dont on manque en cas d'anémie, particulièrement la B6, la B3, la B9 et la B12. Alors, le noni, bien sûr, qui va aider pour le système circulatoire, ça c'est clair. Voilà, tout ça pour le côté anémie, circulation. Okay? Alors, on va passer à l'asthme, là aussi, vaste problème hein, assez généralisé. Alors, l'asthme, évidemment, se passe au niveau d'une rétraction des capacités respiratoires au niveau bronchique, particulièrement dans cette zone. Donc, évidemment, la plupart des personnes utilisent un puff et beaucoup trop souvent, on voit des enfants et La des fameuse adolescents, Ventoline pour les Français. voilà, Ventolin, on dit en Belgique. Mais en tout cas, c'est quelque chose
qui a des effets secondaires tout à fait indésirables, surtout que les personnes souvent les prennent sur du très 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 long terme. Donc, quelles sont les solutions, quelles sont les possibilités que l'on peut proposer ici pour diminuer justement ce traitement qui n'est pas inoffensif? C'est de nouveau vous proposer la collection salle de bain. Et pourquoi la collection salle de bain? Tout simplement parce que les personnes asthmatiques et les personnes à capacité respiratoire réduite ont vraiment, sont très, très, très réactifs aux émanations. Donc, on sait, vous savez comme moi, que dans beaucoup, beaucoup de produits qu'on utilise au quotidien, les émanations peuvent être très fortes par les parfums, par les produits chimiques qu'on y ajoute, etc. Et donc, la toute première chose à faire en cas d'asthme ou d'insuffisance respiratoire, c'est vraiment utiliser des produits de salle de bain avec lesquels on est en contact, évidemment, au quotidien. Directement, cette collection salle de bain va être adoptée par la personne. Ensuite, au niveau de l'intérieur. Toujours le trio, évidemment. Pour l'asthme, c'est fondamental, c'est hyper important, surtout au niveau de la flore intestinale. Les fameux probiotiques vont jouer un très grand rôle pour empêcher, en fait, pour protéger en fait le système immunitaire. Voilà. Alors, ça, c'est super important, l'endurance au niveau de l'asthme. Donc, le cordyceps a cette propriété d'ouvrir les alvéoles pulmonaires pour absorber une plus grande quantité d'oxygène qui va circuler dans le sang. Et ça va augmenter la capacité respiratoire et aider énormément les gens qui souffrent d'asthme. Voilà. Donc, si vous visualisez ces petites alvéoles pulmonaires tout au bout des poumons, vous verrez que ça a un rôle très particulier. Oui, même là, il suffit aussi, un petit peu comme l'échinacea. Pour les petits-enfants, vous pouvez ouvrir la gélule. Hein, donc, voilà, la camoufler, ouais. et pouvoir leur donner de cette manière-là. Beaucoup, beaucoup de sportifs aussi utilisent cette endurance lors de leurs entraînements, leurs compétitions, etc. Mais les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires y trouvent un très grand soulagement. Encore plus, bien évidemment, s'ils se donnent la chance de prendre la base, comme Richard vient de vous le dire. Voilà. Alors, les aphtes, oui, on change complètement de sujet. Alors, on continue dans les A, les aphtes, donc une inflammation, voire même une infection parfois au niveau de la bouche. C'est exactement la même chose quand on a des problèmes de champignons. C'est autre chose, mais ça, ce sera un petit peu les mêmes trucs et astuces qu'on proposerait. Donc, les champignons ou le muguet chez les tout-petits, vous voyez. Alors, que faire dans ces cas-là d'aphtes, de muguet, de champignons? Eh bien, c'est de pouvoir... pas gargariser, mais non, faire vraiment un bain de bouche. C'est un bain de bouche, en fait. Voilà. Ici, il y a une petite erreur dans le. C'est vraiment un bain de bouche à faire pendant au moins 30 secondes dans toute la bouche pour justement éviter cette apparition d'aphtes ou en tout cas maîtriser ces aphtes. On peut faire la même chose aussi avec du noni ou alors vous prenez un petit coton-tige et vous tamponnez. Chez les tout petits, ça marche très très bien aussi. Vous tamponnez sur la partie qui est sensible, la partie qui présente cette afte ou ce petit champignon. Voilà, ça va. Alors, c'est compatible avec l'homéopathie, hein, de toute façon, le dentifrice. Alors, on peut aussi avoir une action, ça dépend un petit peu des cas, mais on peut aussi ouvrir une gélule de protosime et simplement la verser sur cette partie enflammée de l'afte au niveau des gencives, au niveau de la lèvre. Il faut essayer plusieurs choses. Donc, le bain de bouche, le noni, le protosime, localement, vous pouvez essayer toutes ces choses qui vont vous donner un résultat absolument. OK. Et alors, bien sûr, pour diminuer l'acidité, puisque les aphtes aussi, c'est le reflet d'une trop grande acidité, l'aloe vera va énormément aider avec ses 10 extraits de plantes également, de tisane, associés à l'aloe vera. L'aloe vera qui vient venir tapisser toutes les muqueuses du système gastrique, en l'occurrence l'œsophage, tapisser toutes les parois de l'estomac et donc diminuer cette acidité qui vient du système digestif. Et ça remonte, comme vous le savez, ça remonte dans la bouche. Parfois, certaines personnes ont une très mauvaise haleine aussi par rapport à cette acidité. Donc, l'aloe vera se verra le bienvenu dans ce cas d'aphte, justement. On va passer à l'arthrite. Là aussi, énormément de gens souffrent de ce problème articulaire. Problème articulaire qui est une inflammation au niveau des articulations. Alors, on revient de nouveau avec notre base de trio, le trio incontournable, voire même, si le budget le permet, le top 5, comme on l'appelle chez nous.
Et puis, on va surtout, on va surtout insister sur le noni, parce que dans le cas d'arthrite, c'est une inflammation qui peut s'avérer être relativement très inconfortable. Et le noni va jouer un grand rôle. Vous pouvez même proposer, pendant une petite période de temps, d'augmenter cette dose de noni de 30 à 60 ml, par exemple. Alors, le MSM, qu'est-ce le MSM ? Alors, le MSM, en fait, c'est l'abréviation d'une substance soufrée naturelle qui s'appelle le méthylsulfonylméthane. Donc, ça paraît pas naturel, mais ça l'est. Et le corps le fabrique, mais en toute petite quantité. Et c'est très anti-inflammatoire. Et dans ce complément, il est associé à une plante qui s'appelle la griffe du chat et qui est aussi très anti-inflammatoire. Et ces deux associations aide énormément les gens qui ont des soucis articulaires. La griffe du chat, elle est connue depuis la nuit des temps. C'est une liane toute plate que l'on trouve en Amérique du Sud et qui est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires. Tout ce qui se termine, j'ai envie de dire, tout ce qui se termine par it, arthrite, cystite, sinusite, tout ce qui se termine par it va venir se voir aidé par cette prise de MSM. Absolument. Et alors, nous avons de retour dans la boutique, et ça nous fait super plaisir, un produit pratiquement pour nous incontournable, qui est le Cell Protect, qui est une combinaison d'antioxydants extrêmement puissante, dont le curcuma, les extraits de pépins de raisin, la vitamine C, la vitamine E, les extraits d'écorce de pin maritime, etc. Et donc forcément, si vous nettoyez et détoxifiez intensément avec ce complément, ça va bénéficier aussi pour les inflammations articulaires. Voilà, cette couleur très jaune qui est la couleur du curcuma. Donc, vous voyez vraiment la dose assez importante de curcuma, de ginkgo biloba et tout ce que Richard vous a expliqué là. Eh bien, ce Cell Protect, son nom dit bien ce que ça veut dire. Il protège chacune de nos cellules et en l'occurrence, nos articulations, bien entendu. Alors, il y a aussi deux crèmes. Voilà. Alors, ici, de nouveau, suivant les cas, suivant les personnes, il y a le muscle rub, qui est le muscle rub, comme vous dites, qui doit effectivement se masser. C'est celle de droite. Généreusement sur les articulations douloureuses. Ou bien, dans certains cas, figurez-vous, on pourra utiliser l'harmonizing cream, qui est aussi une plante à base de yam. Et cette yam, elle est connue aussi pour ses qualités, pour ses propriétés anti-inflammatoires. Donc, l'un ou l'autre au niveau articulaire peut donner les bons résultats à tester, à voir pour chacun d'entre vous. Voilà. Alors, l'arthrose, quelle est la différence avec l'arthrite ? Alors, c'est aussi un problème articulaire, évidemment. Oui, mais il est plus fixé sur la dégénérescence des extrémités osseuses au niveau des articulations, comme le schéma le prouve bien ici, mais qui provoque également une inflammation. Et très souvent, dans le cas d'arthrose, très souvent, le cartilage est atteint. C'est pour ça qu'on va vous parler un petit peu plus tard. Alors là, bien sûr, incontournable aussi la base. On revient toujours à cette base nutritionnelle, donc au minimum le trio. Les antioxydants, donc le Cell Protect, parce qu'il faut absolument faire partir les toxines, puisque l'inflammation, notamment au niveau articulaire, c'est une accumulation de toxines. Donc, rien de tel que le Cell Protect. Et dans ce cas-ci. Et le MSM, bien sûr, on en a parlé, puisque tout ce qui est en HIIT et tout ce qui est inflammation des articulations. Et alors, la glucosamine. Uniquement si le cartilage est atteint. Généralement, comme je vous le disais, en cas d'arthrose, souvent une cure de glucosamine s'avère hyper importante à raison de 3 glucosamines par jour, matin, midi et soir, et cela pour une cure de 3 mois. C'est ce qu'en tout cas, moi, je préconise dans le cas de problème d'arthrose. Et bien sûr, la muscle rub pour soulager au niveau local. Amasser au quotidien et vraiment généreusement sur les articulations douloureuses. Alors, on avance parce qu'il y a beaucoup avec la lettre AVC, accident cardiovasculaire. Voilà, ça, c'est un problème évidemment de circulation veineux généralement. Les symptômes, soyez très, 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 très vigilants aux symptômes de jambes sans repos, par exemple, de jambes lourdes, de varices, de phlébite. Ça, c'est vraiment quelque chose, ce sont des signes qui ne trompent pas et qu'il faut absolument, absolument anticiper. Donc, le trio nutritionnel de base, incontournable, bien sûr. Adulte multivitamine parce qu'il va aider à fluidifier le sang, donc pour prévenir les accidents tels que des AVC, c'est fondamental d'avoir un sang plus fluide. Et le Cell Protect qui s'associera à l'adulte multivitamine pour renforcer les parois veineuses, parce que la qualité des parois veineuses, plus elles seront bonnes, moins de risques il y aura d'avoir des accidents comme ça.
Et donc, le sel Protect est vraiment un produit extraordinaire. Ainsi que l'oméga 3, qui est le troisième ici dont on va parler. Tout de suite. La seule condition, c'est que dans le cas d'une personne qui prend des anticoagulants, genre Sintron, des choses comme ça, il est absolument interdit de prendre les trois derniers, là, du multivitamine, voilà, le sel Protect et les oméga 3, parce qu'ils vont créer des interférences avec les anticoagulants qui ont été donnés par les médecins. Il faut un avis médical si jamais la personne est sous traitement d'anticoagulants ou de fluidifiants du sang, ça c'est clair. Donc ici, on parle surtout de prévention et de choses qui peuvent vraiment vous aider. L'aménorrhée, alors les aménorrhées, c'est l'absence de menstruation, donc c'est uniquement pour les femmes, bien évidemment. Les aménorrhées peuvent être effectivement, nécessitent en tout cas un apport de minéraux et d'oligo-éléments, voilà, l'un ou l'autre, minéral solution, minéral classique. Le noni a un rôle hyper, hyper, hyper important au niveau de notre système hormonal, mesdames. Donc, c'est vraiment à favoriser ces 30 petits millilitres de noni au quotidien. Et puis, bien évidemment, la Harmonizing Cream, qui est l'équilibre hormonal à mettre en petite noisette, sous fond de petite noisette, sur des surfaces lisses au niveau de la peau. 3 semaines d'affilée, 1 semaine d'arrêt si on a toujours nos règles et tous les jours si on a terminé d'avoir les règles. Alors, on va passer à un autre domaine, les acouphènes. Il y a des gens qui souffrent de ça aussi. Les acouphènes, ce sont des bruits stridents au niveau des oreilles, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et de nouveau, on revient sur la base qui sont, voilà, cette série ici. Les minéraux, oligo-éléments, la base de la base, les 30 ml de noni, adulte multivitamine à raison de 1 ou 2 adultes multivitamines par jour, le sel Protect qui est l'antioxydant puissant. Rappelez-vous de bien boire beaucoup d'eau quand vous prenez des antioxydants. Il faut que tout cela, toutes ces toxines s'éliminent. Et le FOT, qui est cette plante dont vous a parlé précédemment. Voilà, voilà. Alors, Alzheimer, ça aussi, c'est quelque chose qui malheureusement est très courant, de plus en plus. Alors, Alzheimer, on sait qu'il y a un lien direct avec les problèmes d'aluminium, et vous savez que cet aluminium est présent dans beaucoup, beaucoup trop de nos récipients, par exemple. Donc, faites attention déjà à l'utilisation de barquettes en aluminium, évitez le plus possible ce genre de choses. Et en tout cas, ici, au niveau de l'Alzheimer, on peut soulager, on peut aider les gens à améliorer leur quotidien avec le trio de base dont on vous a parlé, voire même le top 5. Et puis alors, pour les aider, ces personnes-là, à avoir quand même une meilleure concentration et aussi travailler sur la mémorisation, il y a le produit qui s'appelle Focus, qui contient de la Bacopa monieri, qui est un extrait de plante qui travaille beaucoup sur les fonctions cognitives, donc qui améliore la mémorisation et la concentration. Donc, c'est des choses qui vont beaucoup aider les personnes dans ce cas-là. Hyper, hyper efficace. Bien entendu, le Focus sert pour beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi au niveau de la mémoire. Mais dans ce cas-ci, ça va vraiment permettre à la personne de récupérer un petit peu des facultés de mémoire. Voilà. Alors, il y a également la coenzyme Q10 qui, par contre, est mal placée ici parce qu'on aurait dû la voir quand on a parlé des AVC. Elle est mal placée dans la formation, la coenzyme Q10. Désolé, c'est une erreur de slide. C'était avec les AVC. En tout cas, voilà, on a un petit peu couru parce qu'il y avait beaucoup de lettres à voir en une demi-heure. On a un petit peu débordé d'ailleurs. Donc, la semaine prochaine, on verra la lettre B. De toute façon, ce webinaire va se retrouver dans la bibliothèque toute nouvelle qui a déjà énormément de succès. Cette bibliothèque d'enregistrement LiveClean, nous mettons les meilleurs enregistrements LiveClean. Vous voyez l'adresse de cette bibliothèque juste au-dessus ici, avec des enregistrements qui sont déjà relativement nombreux. Vous voyez des exemples ici, et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et bientôt. Donc vous trouverez dans cette bibliothèque d'enregistrement le webinar de ce matin. Donc la semaine prochaine, 11h, rendez-vous pour la lettre B.
pour la lettre B. Et on vous rappelle, pour clôturer cette formation, que si vous avez une pathologie, si vous connaissez des personnes avec une pathologie, la meilleure chose à faire est d'aller voir votre médecin. Et ici, on vous parle uniquement de soulager certains symptômes. Donc, faites quand même bien attention, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à en parler à votre médecin, surtout pour avoir un avis médical, bien entendu. Voilà. Eh bien... Donc, je vais juste vous remettre rapidement le lien de la bibliothèque en message. Comme ça, vous pourrez retourner dessus. Voilà. Et on vous donne rendez-vous alors samedi prochain pour la lettre B. Munissez-vous de vos notes et profitez bien de votre week-end. Voilà le lien qui est redonné, retransmis. Voilà. Voilà. OK. Bon week-end à vous tous. Bon week-end à vous tous. Et à samedi prochain. À samedi prochain. Au revoir.